Bonjour, bonjour. Bon, on est mercredi, mercredi. Jeudi, jeudi. Bon, je vais vous montrer, là, gars. On voit, là, comme je fais, là, la résistance est là, là. 23 millions. Fait que là, on se met ici. On a acheté 200 000. Tu. Acheter 200 000, on sait que la résistance est en 9. On a 200 000 d'acheter. Fait que là, on surveille, on surveille. Il est passé 6 millions. Ah. Il est passé 6 millions, ça n'a même pas fait bouger le. On est N, on est déjà à notre prix payé. Puis là, ben c'est ça. Oh, déjà 20 pièces de fait. Ben, tu. C'est parti sur l'autre sens. C'est ça que. C'est comme ça qu'on repère le. Puis 40, là. C'est encore titre, là. C'est l'ancienne résistance à la hausse. Quand ça a parti, puis ça fait ça. Là. Fait que là, on sait que le 40, c'est là qu'il faut sortir. C'est ça qu'on. Là, on a 20 pièces de profit. Je sais pas si vous m'entendez bien, mais j'espère que vous m'entendez bien. Tantôt, j'ai fait une vidéo puis pour m'apercevoir que qu'elle avait pas elle pas parti l'enregistrement. Gros mandat. Ça pousse encore à la baisse. On va savoir si on. Qu'est-ce qu'on fait? On sécurise notre position. On est plus nerveux. On voit que ça tire à la baisse un peu. Qu'est-ce qu'on fait? On sécurise la position. On en va. La moitié à 42, c'est-à-dire que si on vend 40, ça veut dire qu'on va être pas pire, on va être sécurisé. C'est assez long avec sa pause. On vient pour vendre, des fois c'est long. On a pris 10 pièces de profit, la position sécurisée. Donc là, on espère que. On le voit là, la résistance à la hausse, c'est 50. 49, 50 là. On va voir là, si le gros se met à monter, là ça va pousser à la hausse. Mais pour là, il est. Faut faire attention, c'est tout passé. Ça fait plusieurs jours de hausse, lui. Même si aujourd'hui, là, c'est comme un new high avec gros volume. Et la belle place rentrée, là, c'était en bas, là, mais quand elle dit, là, c'était petit, on dit, là, mais la deuxième journée, là, on va laisser faire, là. Bon, c'est là qu'on vient de donner. Oh. Un alerte. MCPP. Wow! On tient à Chris. Il fait un new high. Ce que lui. Il a 200 000. Nous on vient d'André. 8. 28. Un alerte qu'on avait mis ce matin, ça, probablement. Solide. Est-ce que ça va y aller? Ça dira pas. On va regarder. Je sais pas si c'est ou non. Comment qu'il y a d'action? C'est quoi le titre? MSPC. MSPC, on était rentré dedans l'autre jour. Ouais. On le voit 25.
résistance. Oh, tu. Tu es dans le time sale. C'est dans le time sale qu'on voit comment ça se comporte. C'est quoi déjà? MSPC. Space. Alors, MSBC, ok, ils ont 4 billions d'actions. Ouais, ça. Ouais. Un peu. Je pense qu'on va mettre. 41, 42. Le titre est encore là, ça. C'est pas encore. On se met une new high, on met une nouvelle alerte. Ça devait être un air d'avait mis hier. On va mettre une new high. 0,00. Lorsqu'il y a deux sommets, là. On va le mettre à 30, mais d'après moi, ça ne retiendra pas aujourd'hui. Bon, on va aller voir notre site. Bon, je suis rentré là-dedans, ici, là. Bon, pourquoi je suis rentré à 21? Parce que on était 20, c'était l'ancien sommet. À matin, ça a pouf, pouf. Mais quand j'ai vu qu'à 20, il y avait 25, 30 millions, je me suis mis à 21, mais rentré. Puis là, ben, je le garde parce que c'est comme le premier revenu. Puis on a traversé la résistance. Fait qu'on espère que c'est à la fin de la journée qu'ils finissent un spray à la hausse, là. Là, c'est les petites qu'on est rentré tantôt. On voit que ça graphique, ça graphique. Là, c'est tough, c'est tough. C'est rough and tough. On va être tough, ça. Fait que, faut rester prudent. On va se mettre en alerte à 40, comme il est ici, touche 40. Checker nos titres, on va faire ça comme ça, et d'après moi, ça ne passera pas. Oh, je vais devoir en doute. Plus petit ou égal, c'est pas plus grand ou égal. Croisons les petits doigts. Qu'est-ce qui est pas pire de ce titre-là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'actions en circulation. C'est-à-dire qu'il y a plus de potentiel à pousser à la hausse que les autres. C'est ça l'histoire. Ce titre-là, c'est plus en plus risqué, là. Alors, des fois, quand on trouve pas de titre, ça arrive, il y a des journées là, qu'il n'y a pas de titre, mais pas dans cet site. On voit ici, la résistance est là. Ça doit être 95. T'as envie de ça, on va mieux. Oh, 95. C'est ça, 95. La base Havre, là, quand c'est plus haut que. Ok, probablement un super gros vendeur à 95. Non, on va se mettre de SP. Ça va être dur à passer. Mais ça veut dire.
façon, ça ira pas si vite que ça. Mais tu sais, il y a beaucoup de volume. C'est ça, c'est la première, en vérité, c'est le premier gros volume qu'il y a sous ce titre-là. Là, ça fait plusieurs roues qui montent. Fait que, là, je pense qu'on va les ouvrir. Mais, on va là, sûrement la voir dans une prochaine vague. C'est quelqu'un qui m'a texté. Des apprentis. Des apprentis qui n'ont pas confiance en l'autre. Les apprentis n'ont pas confiance. C'est les débuts d'une histoire. Là. Ça, c'est des titres qui. On voit zéro. Là. En réalité, c'est dans ça même plus rapport. Là. Tout ça, ça peut rapport. C'est une nouvelle compagnie qui arrive à la bourse. Pas si au graphique. Depuis ici, là. On va aller voir les nouvelles. Probablement un takeover. Ici, le monde du chat va se demander les places pour rentrer ici. Hier. Deux. Il va devenir plus volatile parce qu'il grandit. Puis là, on va garder un petit. Dans une minute, on voit mieux. Encore un bing. Winnable, le matin, là, il a ouvert en. Boom, gap up. Il a ouvert, là, puis il y avait un super gros acheteur qui a poussé ça. Là. Moi, je voulais l'acheter à 26. Elle met une alerte. Ça sonne tout de suite en partant, mais ça a été trop vite. Trop rapide. 34, c'est la résistance, on le voit. Pas passé, ça.
le. Voyons. Bon, on l'a vu. Le gros, comme il commence à monter là. Il va se mettre à monter là. Consolide. On est à veille de voir là, s'il va monter ou pas là. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? On rentit, on rentit. Ça pousse à la baisse. On va se préparer. On va aller me préparer, ben je l'ai dans mon graphique au côté là. Le raton. C'est vendu. Tiens, non. Bon, on est vendu là pour notre C le Z. Le raton. Le raton il brille. C'est tough là. C'est tough. Là. Il y a du stock. Il y a du stock. On va aller voir l'autre. Fedora, ouais, je dis, il a fait beaucoup de jours, tout le monde. Meilleure sortie, là. T'as vu de faire un vers en bas. Lui, t'as ouvert le matin. Elle met une alerte là, pas pu rentrer. Mon alerte. Puis j'ai dû me rentrer là, parce que tu il est venu à côté une fois. Je suis rentré ici. J'ai rendu une alerte des plus grosses quantités là. C'est 100 000. Il y aurait eu un bon petit. On aurait vendu probablement la moitié là. Regardez le reste peut-être là, mais comme en lui tout là, ça fait 1, 2, 1, 2, 3. C'est le premier gros volume qui dépasse les autres là. Comme j'avais dit à quelqu''un. C'est pour ça qu'on a liquidé notre position. ECEZ, tu. J'ai envie de partir. D'après moi, il va aller taper. L'ancienne résistance. 3-3, ça veut dire 3-4. D'après moi, on descend à 3-4. C'est pour ça qu'un connaître. C'est un bas. Quand ça remonte un peu, on achète une grosse, quand on achète une grosse quantité, ça monte un peu, on prend un profit. Puis après ça, parce que c'est plus dangereux, pognant la pince. On va mettre une alerte à 1,50 là, où il s'est arrêté plusieurs fois.
que c'est un titre qu'on peut pas transjuguer. Il n'y a rien ici. On voulait savoir si un titre peut pas être transjugué, il n'y a rien. De toute façon, il y en a toujours des bouts. On va faire ça vite. Tu Wolf. Wolf. Il met un alerte à 299. Parce que ça, si ça, là, il est en train de consolider. Là. Puis le 3, c'est comme la résistance. Un peu comme ça. 3 et 10, il est mis. Bon. C'est l'ancien sommet ici, de celui-là, il est mis. La résistance. Donc là, d'après moi, il a pas fini de consolider. Ben, il saute 1. Digonne beaucoup. Tu sais, on a eu des. Encore là, c'est une nouvelle entreprise qui arrive. Sécurité ou pas du tout. Il y a 100 billions. Mais ça, je suis sûr, c'est pas livré. C'est une belle place. Entre les bits d'IA, c'est un peu haut. Mais c'est un quand même beau titre, pareil. Là, moi, je suis là-dedans, mi-tech, là. Il y a 19 ou 20. 20. S'il est gros, si c'est à la fin de la journée, on va mettre un alerte pareil dessus. À 21. En mode tu gap up le matin, là, faire rentrer du monde, là, slow bleeding, slow bleeding, slow bleeding. Là, il est en mode slow bleeding, là, tu sais. Ouvre le matin, slow bleeding, ouvre le matin, slow bleeding. Là, c'est fini, là. La vague, cette vague-là est posée. Ça va redescendre pour repartir. Et ça peut venir zigonner, là, mais de toute façon, on va le voir. Ça va, il va revenir avec du gros volume. Lui, là, il saute, là, qui est pas pire. Mais on va mettre un alerte là. 2-5.
qui viennent plus haut. Et 1, 1, 2, 3. Peux-tu l'acheter? 1, 2, 3. Tu sors, va voir. 4, 5, 6. Tu ça descend, ça descend. Oui, c'est pas ça, votre temps liquide. La résistance. Notre titre, là. On va savoir si ça va tenir. Les 25 millions qui ont passé à 35. C'est pas résistance, ça, je sais pas du tout. C'est sur sa résistance. Voir si ça va tenir. Des doutes. C'est ça qui est. C'est là-dedans que le temps ils nous ont dit pas mal. Mais ça veut pas dire qu'on va. C'est pas ça pas en dessous. Là, on rentre, ben là, on est plus dans le but. Rendu à 37. Oh, un bias. Un bias, tiens, tu. Oh, on part à la hausse. Alors, finalement, c'est peut-être le résistant. Tiens, commençons à vendre tout de suite une partie de suite. Comme tantôt. Comme ça, ça couvre nos frais. Je vais vendre à 38, moi, si on peut passer. 36. 38. Oui, là, ici, t'as le 35, il est venu plus petit, là, mais c'est à cause que ça, c'est normal, parce qu'il se cache. Le gros acheteur se cache, il diminue sa quantité. Pas fait. Là, il se cache. Parce que quand lui grossit, lui se cache. C'est comme ça, il l'a expliqué à d'autres gars, là, comment ça fonctionne. Bon, là, on vient de prendre 20$ de profit. Fait que là, on est en bonne position. Fait que là, on couvre nos frais. C'est pour ça, moi, il n'y a pas une transaction que je fais pas à profit. Ça n'existe pas. C'est rare, là, c'est. Le gros a monté. Ça va peut-être repartir à faire un petit bout à la hausse. Mais on est rentré, ça fait que là on a pris un profit puis il nous reste bien qu'à attendre de voir comment ça va se poursuivre. Là. C'est notre deadline, ça fait qu'on va avoir fait 40$ dans notre transaction. Ou 15$ de vrai. C'est comme ça là, qu'on sait quand rentrer, quand sortir. Il grossit, là, il a 19. Il grossit, ça pousse, il monte. Il va pousser, là.
C'était facile, fait de l'autre ici, Bibi, tu pensais? Nous sommes. Il pousse, il monte, il a changé d'état. Il était à 38, rendu à 39. Là, il va. Le 40 va se faire bouffer d'un coup. Là, on va tomber talk. S'il meurt. Là, si lui, il remonte à 30, à 40, talk. Quand vous dites là, que le 35. Pour ça, je me suis mis à 36, il rentre à 36. Là. Que le 35, ben, on l'a. 25 millions, la 35, on l'a, c'était sûr, c'était le. Ça, c'est un acheteur, lui, un gros acheteur caché. Tain, 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 tain. Là, il nous dirait, ben là, pourquoi t'as pas gardé toutes tes actions? Si je serais moins frileux, là, on aurait acheté 400 000. Là, c'est là qui fait, ça fait toute une différence quand tu grossis tes quantités. Mais psychologiquement, on dirait que je peux en croire au point. Fait que c'est ça qui fait que tu vas faire des plus gros gains. Mettons 36, tu es déjà 41, si tu en as 400 000, là, mettons tu prendrais des profits. Ça fait combien? 36, 41, 25? 200 000 fait 100 pièces. Et là, t'aurais fait 100 pièces de profit de suite. Fais attention parce qu'on est en dessous de la ligne de la SMA 5 minutes. C'est ça qui est stressé. Oups. Le gros vendeur, il revient dans la charge. Il y a du vendeur, il y a du vendeur, il y a du vendeur à la charge. Toi, c'est où? Tata, là. 35. Pousse, pousse. C'est d'offre, c'est d'offre. C'est ça la différence entre. Danny, il prend des grosses quantités. Fait que moi, il m'a repris 400 000, là, mais là. Tu m'aurais bien repris un profit, puis il me resterait bien. T'sais, là, il me resterait 200 000, t'sais, il me resterait 80 $ de profit. Le mon deadline, c'est 38. Fait que, t'sais, il t'aurait. T'sais, j'aurais déjà vendu 40, pour 40 $, puis il me resterait pour 120 $. C'est là que ça fait toute la différence. Il consolide. On voit ça consolide. On se met dans l'alerte. Faisons un beau sprint de fin de journée. Pour ça, là on est midi et demi. Là, je suis en train de checker dans ma watchlist. Regardez là, le beau petit mouvement de côté. Pas évident, mais. Allez voir dans quel secteur d'activité qui est, mais pas évident. Oh, résistance 50. On regarde dans le temps utile, qu'est-ce qui se passe? Oui, non, oui, non. Oh, il va pire, moi, là, il est trop pire en esti, là. Parce que si on regarde, là, c'est la même méfchite. Celle-là. C'est une place pour rentrer, là.
On arrête, mettons comme ça. C'est la première journée de hausse. On va essayer. Ouais. Bing! Je pense pas que ça va rentrer. Il y a des bonnes chances qu'on rentre pas. Pour vendre plus vite, on se met une scène de plus beau. On va splitter ça en bus. On va tout de suite prendre un peu de puffy. On 52, on en vend de suite, on va aller en vendre de suite. Notre titre qu'on avait rentré tantôt là, à 36, le reste a été vendu. On en va encaisser un autre 30 de l'heure. Ouh, 25 000. Sa résistance. On va apparaître en dessous, c'est pas un bon feeling. Sortir sans perte. Dans le jeu, on est à la place dangereuse.
Tu essaie de vendre à 51, là, baisse tout de suite mon ordre en dessous. Fait que si vous mon vaut qui diminue, va peser, je perds 10 piastres, mais sinon, on va vendre au prix payé. C'est ça qu'on fait. Ah, finalement, pas vu. On va passer au prix payé. La, 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 la. Sommet. Première journée, bon, on va sûrement faire plus de volume d'ici la fin de la journée. On va se mettre en alerte. On va le mettre en alerte. On va le chercher ici. K, Y. C'est pour ça que vers l'heure du midi, moi je fais le tour là, parce que c'est là qu'on voit ceux-là qui font des mouvements de côté. Parce que si c'est y a un rail, ça se fait tout le temps vers la fin de la journée. Fait que quand on met des alertes sur toutes sortes de titres qui font des. Hier, pas matin. Ouais, pas bien ça. Une scène. La première warning. C'est un peu loin. C'est loin. On voit là que ça, c'est comme la fin, ça. Revient sur l'ancienne résistance qui est une scène. On fait juste une expérience. On se met un alerte, mais à la baisse. Voir s'il va venir toucher. Il va rebondir. Donc, on serait mieux à acheter une scène.
première journée de hausse, puis le matin, il a monté une petite affaire. C'est quoi, 50? Attends, il y avait combien? On va le mettre dans la watchlist. On peut-tu l'acheter? On peut-tu acheter? Le BSR. Vendu là, mais d'après moi là, il y a 50 là. On va voir si dans quoi qu'ils sont, c'est marqué Electric Car Company. On va voir dans quel sur le site OTC Market. On a des news, pas de news, il n'y a rien. Parce que des entreprises qui font pas longtemps qu'ils ont de la bourse, ont même pas de site internet. Harrison Wall Street. Ah, rien. Et on n'a pas aucun détail. On le voit sur le site. On sait même pas ce qu'ils font. Ça montre juste parce qu'ils ont un nom à la mode. Des énergies alternatives. D'après moi, c'est pour ça que ça monte. Mais oh, 14 millions. On va le mettre dans mes graphiques au côté. Là. On va voir comment il se comporte. Parce que des fois, se mettre à monter. Puis inverserait. Ça a l'air, ça prend du gold, tout c'est sûr.
négatif après lui. Ça devient négatif. À date, on n'entend pas de cloche. C'est-à-dire que les titres sont pas à la hausse. Il n'y a aucun titre qui est à la hausse. Tous les titres sont à la baisse, quasiment. Toutes les titres, ils ont le nez vers en bas. On check tous ceux-là qui sont verts. Lui, il est un peu mitigé, mais il n'y a pas de... Ah, et lui, ça. Mais où? Shake. Bon, on est rentré à... Téléphone. On est rentré à 20. On va se mettre en alerte. Je pense pas. Fait que. On va arrêter là pour l'instant. Puis. On va voir d'ici la fin de la journée. On va peut-être faire un récap. Là. Mais. Pour là, là. Sans envie d'être négatif. Fait que. C'est pas. Après moi, là, après-midi, là, ça bouge pas bien. Hein. Ah, tu viens notre. Finalement, il est venu à côté. 23-24. Il est venu sur l'ancienne résistance à la hausse. On va voir là s'il va tenir. S'il va pousser à la hausse. Là, on voit qu'il y a des gros acheteurs qui arrivent. Ça va peut-être pousser un peu à la hausse. C'est la fin de la journée. Fait que c'est beau. C'est le cas. En tout cas, si vous aimez les vidéos, vous avez là. Puis en passant, mettons en tour des vidéos.
Si vous voulez vous passer par là pour vous inscrire sur Questrate, ça me donne un petit chose d'affiliation, puis ça me donne des petits montants. Ça m'encourage pour faire des vidéos pour vous montrer comment fonctionnent les autres ICBB. Merci. Bye.